Ok, j'ai 1h56 d'un point A à un point B. Bon. Allez, c'est parti. Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages sur ma dernière vidéo. Franchement, merci, ça fait plaisir. Ça y est, je reçois petit à petit les accessoires de la Z. Et dès que j'ai tout reçu, je vous fais une vidéo à ce sujet. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis même si ça vous intéresse pas, je le ferai quand même. La Z est retombée pour une troisième fois en panne. Elle m'a refait le coup. Eh putain! Et non, je ne regrette pas ma Honda. J'étais plutôt ravie de cette moto. J'ai passé 3 ans, c'est pas rien. Mais je regrette pas d'avoir acheté la Z. Bien au contraire. Si je dois regretter tout ce que j'entreprends dans ma vie, t'en rester assis sur un banc en train de donner à manger au canard, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans un lieu magnifique. Tous ces motards, les copains, salut! De Saint-Cyr la Poupie. C'était un village médiéval, un des plus beaux villages de France et qui mérite vraiment de prendre une journée pour y aller. Vous avez deux routes pour accéder à ce site. Il y en a une très jolie qui est très peu fréquentée parce qu'il y a des camping-cars, il y a des voitures, quelques motos peut-être, mais la route est plus large. Regarde si c'est chouette ça. Oh là là! On va passer par Saint-Géry. La route, elle est magnifique. Il n'y a pas que des virages, hein, les amis. Il y a aussi le paysage qui va avec. Mais là où on va longer les falaises. On va passer plusieurs tunnels creusés dans la roche. J'ai déjà été avec la Honda. J'avais pas filmé. J'étais partie avec mes potes. C'est pas moi qui ouvrais. Mais là, aujourd'hui, je pars avec la Z et c'est moi qui vous montre tout ça. Franchement, prenez une fois dans votre vie une journée pour y aller. Ça vaut le coup. Ouais, peut-être plusieurs parce que ça dépend d'où tu viens, mais mais il y a de quoi dormir, manger, boire, faire la fête là-bas. Il y a des activités, il y a des marchés gourmands, il y a de. Par contre, si vous montez, vous inquiétez pas, c'est pas les parkings qui manquent. C'est ouvert de 9h à 19h. Il faut quand même que vous sachiez que le parking est payant. Alors pour les camping-cars et voitures, il y en a pour 5 euros, pour les motos, il y en a pour 2 euros à peu près. Et il y a un monde, c'est fou quoi, ça vient de partout quoi. En plus, il n'y a pas que ça à visiter, autour de Saint-Cyr-la-Poupie, vous avez plein de lieux à découvrir. Il y a plusieurs châteaux, il faut quand même que vous sachiez qu'entre Cahors et Saint-Cyr-la-Poupie, il dénombre 4 châteaux. Tu te rends compte? Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh, je suis bluffée. Oh la vache. Ah, c'est trop beau. Regarde le monde qu'il y a, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Allez.
Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Pouh ! Voilà le château des Anglais. C'est beau, hein ? Bon, sur ce, les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est courte. Mais en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous, quel que soit le contenu. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci à tous les fidèles. Sur ce, le bisou du Sud-Ouest et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!